Bonjour, ici Martine Lacasse. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai envie de vous parler de choses qui arrivent chez les humains. Donc, il y a certains passages qui sont plus difficiles, certaines zones qui sont peut-être plus sombres, que vous avez à traverser, que vous avez peut-être déjà passé, que peut-être vous prévoyez traverser, des passages de noirceur. Alors, dans ces moments-là, moi, je veux vous partager, en fait, certains éléments qui vont venir, justement, vous en sortir. Et rappelez-vous que dans les faits, je pense que la vie avec un grand V, elle ne voit pas de noirceur. Elle ne voit pas de situations compliquées, de drames ou de catastrophes. Alors, si on le voyait avec détachement, ces moments-là, si on sortait de l'ego, si on sortait des peurs, et qu'on voyait ces situations-là comme simplement des apprentissages, des expériences, des enseignements de la vie. Alors déjà là, ça vient comme diminuer les effets des émotions, ces sentiments-là désagréables que peut-être vous ressentez ou que vous êtes peut-être déjà arrivé de vivre. Alors, comment faire pour s'en sortir? Bien, un des moyens vraiment pour toucher la lumière, pour se sentir bien, c'est de servir, c'est de rendre service, c'est redonner aux autres, c'est de partager vos richesses, c'est de contribuer à amener de la beauté dans la journée d'une personne. Donc, ça peut être une surprise, ça peut être un geste aidant, rendre service à quelqu'un afin de contribuer pour faire une différence dans l'autre personne-là. Moi, je l'ai expérimenté et je vous dirais qu'avec tout ça, je ne suis pas certaine de croire à l'altruisme puis à la générosité gratuite. Parce que, honnêtement, quand je donne, quand je rends service, quand j'offre qui je suis, que je fais partager mes talents, mes forces à quelqu'un d'autre, oui, c'est gratuit, oui, ça vient du cœur, puis je le fais sans attendre. Et en même temps, c'est tellement bénéfique pour moi. Ça me rapporte tellement. Il n'y a pas vraiment de mots, en fait, pour vous dire ce que ça rapporte. C'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, je vous invite, quand vous avez des moments où est-ce que ça ne va pas, où est-ce que vous pensez que vous avez le nez sur le mur ou vous tournez en rond et que ça, vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais, tendez la main à quelqu'un d'autre. Je vous dis que ça change le mal de place. Alors, si vous avez aimé cette capsule vidéo conseil, je vous invite à la partager et à me laisser des commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais dans la vie, visitez mon site internet au www.martinelacasse.ca. Je vous laisse sur ceci.